la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. Mamie, viens, on te délivre. Viens. On acclame le Seigneur pour la vie. Nami, Cela.
Alléluia, quoi. Quand il y a ce chant, mais c'est le ciel qui est dans la joie. Amen. Ah, c'est une question de joie. Wow. Tu viens d'où? Je viens d'ici. Hein? Oui. Et qu'est-ce que tu as pris pour être ici? Bon, ça fait plusieurs années. Après que je suis malade. Mm-hmm. Je suis la seule. Mais je n'ai rien. Prends le micro. Partout. Prends le micro. Je veux que tu te calmes. Et puis tu parles posément. On va régler le problème. Donnez-moi les kinés là. Tu peux t'asseoir quelque part. Félicité peut t'asseoir quelque part. C'est ma petite qui était malade. Je me suis promenée partout avec elle. J'ai pris mon rappel, c'était comme du feu. Rappel, ça veut dire quoi, comprends-moi? Bon, je travaille, je suis institutrice. Ah. On m'a souffert juste quand on nous a donné le rappel. Dès que le rappel est tombé dans ma main, tout à l'heure en pharmacie. Quand je rentre à l'hôpital, je sors, je rentre en pharmacie. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Mais au milieu de mes camarades, j'étais toujours rejetée. Parle, parce que là, je ne t'entends pas. Là, viens. Je ne t'entends pas. Et moi, je vais t'entendre. Je vais battre pour cela. Battre pour cela. Et... Oh, la vieille, il n'y a qu'à régler ou bien il n'y a qu'à laisser. Ah, laisse-moi te régler le problème. Elle a mal, il faut laisser s'exprimer et tout ça. Je veux qu'après ici, qu'un ne te regarde pas, mon père. Voilà, donc laisse-moi l'apaiser et puis l'amener à comprendre des choses. Pour que demain, elle soit à mesure de t'aider. Qu'elle n'ait pas peur de toi. Voilà, donc écoute, je veux que tu parles tout ça. Aujourd'hui, moi, le jour... J'étais très malade. En tout cas, il y avait des malades. Reprends au dépend le début. Reprends le début de l'histoire. Quand j'ai pris mon rappel, dès que j'ai pris le rappel, c'était la maladie. Ça a commencé par elle. Une nuit, on allait à l'hôpital, on a tout fait les revenus. Le mois qui a suivi qu'ils m'ont donné... Mon premier salaire, j'ai dit que c'était pour le Seigneur. Mais ce qu'on m'avait donné était fini. Et ma soeur mourait dans mes mains. Comme je ne voulais pas qu'elle meure, je l'ai prise, je l'ai envoyée dans une clinique. Ma jeune est finie. Ma petite soeur mourait sur moi. Donc j'ai un ami qui m'a parlé du prophète. J'ai dit, tiens, c'est l'occasion. Je n'avais même pas un rond à qui demander, moi qui travaille. Que faire? Je regarde ma soeur qui meurt. Elle ne peut pas manger, elle ne peut pas boire. Elle est sur moi comme mon enfant. Je suis allée voir un camarade. Il m'a prêté 20 000 francs. J'ai trimballé ma soeur ici. Quand nous sommes arrivés, j'ai dit, Seigneur, en tout cas, tout ce que tu veux que je fasse là, je vais le faire, mais j'ai besoin de la guérison de ma soeur. Je me suis mise corps et âme ici, en train de prier. Voilà que le prophète a vu ma soeur, il a vu que c'était une corde qui l'attachait. Il a fait sa délivrance. Quand on arriva bien, c'est comme si on n'avait rien fait. Et elle rentre dans la maison, c'est la même chose. Donc j'étais fatiguée. Mais Seigneur, je t'en supplie moi-même là, prends-moi, parce que je suis fatiguée de voir ma famille, surtout ma soeur, en train de mourir. Je suis fatiguée. Non, il y a un frère qui m'a dit non, continue les prières. Je dis non, je ne peux pas prier. Il y a le frère Joël, quand on partait, il nous a donné une prière. Tonnerre. Je suis là, c'est ça, je récite. Je récite. J'ai cité tonnerre, juste que je suis fatiguée. Dis Seigneur, montre-nous ce qui ne va pas dans notre famille là. Moi-même, je tombe malade. Moi, devant, je tombe, je tremble. Quand même, mon Dieu doit venir comme ça là, tout le village sait que je deviens femme. Je ne sais plus ce que je vais faire. Donc, je suis revenue ici. En ce moment, le frère Charles était là. J'ai prié, puis je suis partie. C'est lui là. Je prenais, je me lavais. Je faisais toujours, j'appelais ma soeur. Elle, mais comment ta famille s'est retrouvée ici? Voilà. Ma soeur, celle qui est après moi, après mon sel, elle a dit, ah, que j'ai prié, j'ai vu. Dieu m'a montré la vieille. La vieille n'est pas sur une bonne position. J'ai dit, ah, tu mens. Comment la vieille qui va à l'église, qui m'aide à
prier pour sauver ma soeur. Tu vas à l'église. Ça envoyait des histoires. Tu vas à l'église. Hein? On va à l'église. C'est ça, je ne peux pas aller à l'église et non là-bas. Je n'en veux pas, mais je ne veux pas. Brise. Eh bien, sorcier. Eh, brise les sorciers. Sorcier, brise. Laisse-la, les sorciers. Il y a un frère qui est venu à la maison prier pour moi. Non. Lui, il était ici. Parlons d'ici. Parlons d'ici. Mais c'est ici que je veux parler. Comment elle est arrivée ici, non? Non, oui, comment elle est arrivée ici? Bon, moi, comme je suis haïtienne, je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. Donc, ma soeur a dit que, cette année-là, on doit voir toute cette année, c'est cette année où Dieu nous délivre, où nous tous on meurt. Je dis, bon, moi aussi je suis d'accord avec toi. Mais le fait que tu dis c'est la vie là, moi je sais que moi quand je suis arrivé chez Crasso là-bas, j'ai vu la main de Dieu. Le prophète Crasso, j'ai vu vraiment la main de Dieu. Donc, je vais t'envoyer l'argent, tu vas l'envoyer. Elle est venue. Juste après, elle m'appelle, elle dit, ah, que ce que j'ai dit là, le prophète a confirmé. J'ai dit non, je veux voir la main de Dieu. C'est vrai. J'appelle la mère, je n'ai plus son téléphone. Moi, je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? La brigade. Je suis sûr que c'est la vieille qui nous fait ça. Elle-même qui nous met dans. Elle prépare, je ne veux même pas qu'on touche à la nourriture. C'est elle qui fait tout à la maison. Nos camarades même nous insultent. Elle est là, elle est vieille, et puis elle fait tout pour nous. Donc, c'est ce qu'elle manigançait. Que vraiment, je n'ai même pas la force ni le courage de venir là-bas. J'ai besoin de prier parce que si j'arrive là-bas, peut-être que le prophète va ramasser le cadavre. Je ne pouvais pas supporter de voir ma maman qui manifeste autant d'amour. Je ne sais pas quel genre d'amour à mon égard. Et puis qui me met dans cette situation-là. Elle a dit, ah, grande soeur, faut venir. Tu as voir de toi-même. Donc aujourd'hui, j'ai libéré mes enfants. J'ai demandé que M. Montrino ne voulait pas me donner pardon. Je suis arrivée. Et je suis arrivée, je l'ai saluée. Pour moi, mon cœur, je ne sais pas, mais il y a une douleur en moi. Je ne sais pas comment y expliquer. Il y a une douleur qui me traverse. Vous avez dit au Seigneur de vous révéler ce qui sont la base de vos problèmes. Oui. Maintenant, Dieu révèle. Pourquoi? Je pense qu'il faut avoir plus la maîtrise. Si je m'attendais, je ne sais pas. Mais toi, tu penses que tu verras ce que toi tu veux ou bien. Est-ce que c'est écrit sur le front des arbres? Voici sorcier. Tu as fui? Si tu vas au marché, on dit, la femme qui arrive là, elle est sorcière. Tu n'as pas fui? Pour dire la même, c'est ce qui me fait peur. Hein? C'est ce qui me fait peur. C'est le moment où c'est ici, j'ai appris. J'ai connu un peu quand vous faites les enseignements. Je sais que la sorcellerie existe, mais c'est deux choses à qui moi je vois. Quand je suis venue la première fois, c'est là que j'ai vu vraiment ce que la sorcellerie faisait. C'est un peu comme des gars. Voilà. Donc je me suis dit que vraiment c'est réel. Et la Bible? Hein? Ah, voici là. Dieu lui était pas là. C'est ma fille. Des sorcières. J'ai dit au Seigneur, il n'a qu'à te montrer les sorciers de ta famille. Tu n'es pas encore morte, sorcier parle, c'est un miracle. Amen. C'est un miracle, hein? Amen. Que tu sois là, le sorcier dit, c'est moi qui te mange, là, c'est moi. Tu vois que ton pied te fait mal, c'est moi qui ai mis dans son grain. Ça, c'est un miracle. Prédicament, vous savez les choses, vous connaîtrez la vérité, vous approchera, elle vous rendra libre. On a aucunement forcé ta mère, tu connais bien la méthode ici. Voilà, les sorciers, tu ne peux, là, c'est caractérisé, nous on enseigne dans nos passages, dans le livre, c'est l'hypocrisie. C'est celui-même là, qui tourne autour de toi, c'est celui-là qui peut mieux placer pour te manger. Pour nous, à l'église, ce n'est pas une fin en soi. Tu peux être chrétien et puis être sorcier. Parce que la sorcellerie, c'est un esprit. C'est un esprit. Toi, tu vas à l'église, tu chantes, tu as la Bible, tu fais l'esprit. Hein? Si tu n'as pas été délivré, donc la vieille. Aucun jour, vite. Hein?
Vous avez vu cela. Tu as fait quoi? Tout ce qu'elle dit là, c'est vrai, c'est ma fille. Elle s'est améliorée. Hein? Hein? Elle dit son lavage de tourner. Elle dit ou bien. C'est moi qui ai retourné. Tu sais quoi? Son l'argent. Hein? L'argent est quand pour me donner à manger là. Hein? C'est moi qui ai retourné. C'est toi qui gâtais ça. Elle n'est pas mariée. Elle n'a pas enfant. Elle veut comprendre. Elle ne comprend pas. Non, maintenant elle veut comprendre toi-même. La voici. Hein? Je dis c'est moi, avant que tu viennes ici. Non, c'est pas question d'avant-hier. Non, la complice, c'est elle qui s'est arrêtée de là. Moi, j'ai changé quoi? Non, c'est elle qui est venue. Donc, elle veut savoir des choses. Explique ce qui se passe réellement. Parce qu'elle a dit à Dieu, cette année-là, je veux comprendre. Tu comprends? Or, quand tu dis ça à Dieu, Dieu se révèle. La voici là. Il faut expliquer ce qui se passe. Regarde. Tu veux voir son ciel? Hein? Ton âge se garde, c'est ça? Réponds-moi. Hein? C'est moi. Toi, c'est quoi? C'est toi qu'on. C'est moi qui ai appris ton âge. Dis-lui ça. C'est moi qui ai appris ton âge. Mais pour expliquer comment tu prenais ça? Pardon, là, c'est changé. Allez là-bas. Là-bas, c'est où? C'est banque ou bien éco-banque? Ou bien si? C'est où? Où il garde là? C'est où qu'il garde? Tu gardes la leur là-bas. Maintenant tu lui dis quoi? Je lui dis pardon. Est-ce que quand il est venu là, je t'ai expliqué? Il vient d'arriver, bien. Il vient d'arriver hier. Mais tu l'as voyé en bizarre. Non, tu n'as pas osé demander. Pourquoi? Tu ne croyais pas ou bien? Tu t'es dépassé par les événements. Peut-être parce que même tu l'as pensé. Parce que la première fois où je lui ai dit. Quand on est parti avec ma soeur, vous avez organisé un temps, je lui ai dit de venir, elle dit que moi elle est trop vieille, elle ne peut pas se déplacer dans le temps, mais je me force, et elle est venue, elle est repartie. Maman, je lui dis, ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il passe que je suis censée, mais tout le temps là, tu vas être. Non, elle n'a rien à dire. Avec de, non, il a déjà tout dit. C'est ce qu'elle a fait sur toi, qu'elle va dire. Sinon, on n'a plus envie d'entendre tout ça. Nous, pour nous, on sait que Dieu l'a délivré. Maintenant, c'est ce qu'elle a fait sur toi, qu'elle va dire, n'est-ce pas? Elle dit, tu es prêt d'elle, tu lui donnes à manger, elle te donne, tu prépares, elle te donne tout. Hein? Et or, oh, c'est toi qui fais. Et puis, tu ne dis pas. C'est peut-être ton père dessus là, c'est ça que tu as. Peut-être qu'on ne m'a pas compris. Elle dit, quand il y a problème, tu es là. Tu pries, Seigneur, Seigneur mon Dieu. L'aider mes enfants, le père. Le père. Brise. Brise. Oh, c'est toi. Donc, c'est ça qu'il faut expliquer. Moi, j'ai envie de comprendre ça aussi. Seigneur mon Dieu, mes enfants souffrent. Seigneur, aie pitié. Tu es quelle ethnie? En Colongo, qu'on dit pitié, c'est quoi? Comment on dit? Ah, c'est correct. Bon, donc tu dis ça. Tu dis ça. N'a qu'à pardonner, n'a qu'à pitié. Mais pourquoi tu ne lui dis pas, Seigneur, moi-même, là, c'est moi. Pourquoi tu n'es pas venu dire à tes filles? Ça me dit, c'est mauvaise chose. C'est mauvaise chose aussi, ça, c'est tout comme ça. Là. Il ne voit pas que comme ça, si c'est déjà gâté, c'est ça, je vois que.
sinon si ça reste sous toi-même, c'est bizarre, hein? C'est bizarre, sinon. De toute façon, j'ai souffert avant de voir mes enfants. Oh, faut laisser souffrir. C'est ça. C'est ça, pardon. C'est pas qu'il est venu. Ça va? Oui, mais c'est pas possible. Ça t'a apaisé? Ça va? Faites la paix. S'est passé dans votre famille. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est vérité. On va beau casser le mensonge, mais un jour la vérité sortira toujours. Et quand Dieu révèle des choses, c'est pour délivrer. Aujourd'hui, on ne peut pas choisir un parent. Tu grandis, on dit, ah, voici ton papa. Si chacun choisissait papa, ah, chacun allait choisir milliardaire. Qui est fou? On va aller manger pendant braisé comme déjeuner. L'œil rouge. Aïe. Chacun veut manger pizza. Et bien, on dit, voici papa. Aujourd'hui, ah, les petits avant, ils sont délivrés maintenant. Tous les petits enfants qui allaient manger sont délivrés. La Bible nous parle du pardon. Et l'amour qu'on aime, on essaie de surmonter. Je pense que si par vous, votre maman expérimente la délivrance, vous avez apporté quelque chose à votre maman. C'est qu'elle faisait elle-même, c'était plus fort qu'elle.
elle avait aussi besoin d'être délivrée. Et elle était dans un moment où elle cherchait une solution quelque part. Et puis gloire à Dieu, et les choses sont mises à nu et les choses ont commencé à monter en bas. J'aimerais que la cohabitation avec votre maman, c'est ce qui est le plus important. C'est vrai qu'elle a parlé, mais après, là, ça nous préoccupe. Qu'elle va quitter ici. J'aimerais que vous oubliez. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on voit votre maman encore comme sorcière. Ce que vous avez toujours fait, continuez de le faire. Ce n'est pas à vous de vous venger. Non. Dieu a permis que les choses seraient comme ça. Voyez-la toujours comme une mère. Continuez toujours de la soutenir. Aidez-la dans sa nouvelle vie avec Dieu. Parce que par moi, elle a besoin de ça. Voilà. Parce que sinon, c'est effrayant. Comment ils vont me voir après? Je pense qu'il faut avoir cette capacité de surmonter. Écoutez, elle a maintenant besoin de moi en tant que fille, comme tu l'as toujours fait. Elle vient de le dire. Chacun d'entre vous, votre maman a toujours bénéficié de votre aide, de continuer de le faire. Maintenant, elle a plus besoin de vous. Je pense que aujourd'hui, un vent nouveau souffle dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Je te prends aujourd'hui que je prie. Jésus-Christ de Nazareth. J'arrête et je demande à cet esprit de lâcher sa vie. La puissance de délivre ce soir. Reçois la puissance de Dieu. Chasse les esprits. Tombe aux esprits. Lâche ta vie. Ces démons qui ont miné ta vie. Ces esprits qui régnaient sur ta vie. Qui brigandaient ta vie. Je tombe à ces esprits. Sautez. Allez, sautez. Sautez. Ce soir, vous quittez sa vie. Ce soir, hein, vous quittez sa vie. C'est un ordre. Vous libérez sa vie, vous libérez son mariage, vous libérez ses finances, vous libérez sa santé, vous libérez sa destinée. C'est un non. Allez, sautez. Allez, vous libérez ce vent, la puissance de Dieu. Vous libérez ce vent, la puissance de Jésus-Christ. Libérez ce vent, la puissance de Dieu. Jésus-Christ, te délivre ce soir. Reçois ta délivrance. Reçois, oui, reçois ce soir ta délivrance. Reçois. Je parle à ce ventre. Je commande à ce ventre. Reçois ton miracle. Reçois. Reçois ce soir ta délivrance. Reçois ce soir ta délivrance. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est réponneur, tout ce qui est problème, le vent est réglé maintenant par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu te délivre. Comme la puissance de Dieu. Te délivre ce soir. Reçois ta délivrance. Reçois. Quitte son ventre. Jésus-Christ te délivre ce soir. Le miracle de Jésus. Jésus libère ton ventre. Jésus libère ton ventre. Jésus libère ton ventre. Jésus libère ton vent. Le miracle de Jésus-Christ. Le miracle de Dieu. Dieu libère ton vent. 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 Reçois le miracle de Dieu. 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 Reçois le miracle. Reçois le miracle de Dieu. Reçois le miracle de Dieu.
le nom de Jésus. Cette eau, Jésus-Christ restaure tout en toi. Jésus-Christ restaure tout en toi. Ton enfant, Dieu, ton miracle, la vie se produit en toi. Tu sais pas ce qu'elle veut. Elle n'a qu'à voir ta... Non, laisse ta main là. Parle. Allez, Angèle. Je dis là, non. Tu es là, au premier moment, au prix d'abri. Troisièmement, tu es là. Tu as battu d'aujourd'hui, là, le chemin.
Amen. C'est fini. Hein? À partir d'aujourd'hui, nous vous ouvrons les portes de la grâce, nous vous ouvrons les portes de la bénédiction, que la puissante main de Dieu se manifeste dans votre vie et que la gloire de Dieu se manifeste. Que personne désormais ne vous arrête dans l'élan de votre bénédiction. Que personne désormais ne s'oppose à cette destinée. La puissante. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle, reçois ta délivrance, reçois-la dans le nom de Jésus. Jésus-Christ te libère. Voici ton miracle. Au nom de Jésus, tout ce qui était logé dans cette poitrine, sors au nom de Jésus. Dieu libère ta poitrine. Jésus-Christ libère ta poitrine dans le nom de Jésus. Jésus te délivre. 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 Reçois. 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 Tout ce que le diable t'avait injecté, toutes ces mots du diable t'a mis sans corps, dans le nom de Jésus-Christ. Tu reçois ce soir ton miracle. Tu reçois ce soir ton miracle. Alléluia. Tu reçois ce soir ton miracle. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois-la. Reçois-la ce soir au nom de Jésus. Reçois ton miracle ce soir. Jésus-Christ te délivre maintenant. Jésus te libère maintenant. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois. Dieu vous délivre maintenant. Dieu vous libère. Recevez la grâce de Dieu. Reçois 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 la grâce de Dieu. Recevez la puissance qui est dans le nom de Jésus. Recevez la puissante main de Jésus-Christ sur votre vie. La gloire de Dieu. Aujourd'hui, la grâce de Dieu demeure sur vous. Aujourd'hui, vos ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Venez saluer votre maman. Allez, saluer votre maman. Il y a des sorciers ce soir?
Les sorciers, venez devant. Je parle des grandes personnes. Les enfants restent de l'autre côté. Les pasteurs vont vous délivrer. On ne force personne. Elle est venue avec qui? Vous êtes venu avec qui? Ma petite soeur, il y a un mouvement, elle allait à l'étranger, aux États-Unis. Et elle a commencé à s'agiter, c'est une forme de folie. Et mon oncle a dit que comme lui, il n'a pas de papier, pas la garder, pourquoi on met la Paris. Dans les revues, elle est revenue, ils ont pris un pasteur, ils ont prié pour elle. Et puis ça s'est calmé. Elle est retournée encore. Aux États-Unis. Vous êtes aux États-Unis? Vous avez fait les États-Unis? Dans quel état? Californie? Californie, vous êtes où en Californie? C'est l'état de Californie. Californie, c'est l'état où les gens ont l'argent. C'est l'état des hommes riches aux États-Unis. Elle est revenue. Qu'est-ce que vous avez? Elle est partie deux fois au là-bas. Ça l'a pris encore sur de folie, il commence à agiter. Ah, ça s'est calmé, il le renvoie ici encore. Ok, je pose une question. Parce que là, vous rentrez tout dans les détails. Parce que je l'ai vu s'asseoir là. Hein? Elle était là, elle est là pourquoi? Elle allait s'asseoir là pourquoi? Elle allait là parce que quand elle raconte ces choses, je suis sorcière, j'ai fait ceci, j'ai fait des déchets, donc on ne comprend plus rien. Ah non, 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 c'est vous, vous ne comprenez pas. Ouais, nous, on ne comprend pas. Ok. Ça, tu ne comprends pas. Moi, on veut comprendre ce qu'elle dit. Non, on comprend ça. Quand quelqu'un dit les sorciers, elle dit un autre nom. Chien, 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 chien. Ça va? Qu'est-ce que vous avez? Parce que vous êtes assis là, ça veut dire qu'il y a un problème de sorcellerie. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts à être délivrés? Vous voyez qu'ici, on ne force personne. Hein? La vie, elle est venue ici, elle ne veut pas parler. Elle est libre. Voilà, donc, vous parlez tranquillement. Et puis, si vous avez besoin d'une délivrance, vous nous sollicitez, vous délivre. Voilà, parce que c'est ça. On est en fait de Dieu. Dieu, on est libre. Voilà. Comment vous êtes retrouvé aux États-Unis? Vous êtes parti en tourisme, en voyage? Comment non, j'étais parti pour les études. Les études en quoi? Bon, j'avais commencé à l'anglais d'abord. Et puis, j'avais commencé à... Tu ne comprends plus rien. Étranger, non, non, c'est entre mes parents. Non, comment tu te retrouves aux États-Unis? C'est les parents qui t'ont sauvé? Oui, oui, ce sont mes parents. C'est pour faire des études? Oui, c'est pour faire des études. En anglais ou bien quoi? En quelle spécialité? En médecine. En médecine, d'accord, c'est ce que je voulais savoir. La médecine. Donc vous avez déjà fait l'université, c'est ça? Oui, j'ai fait une année. Une année. Un semestre plutôt. Ok. Donc les parents voulaient que vous partiez aux États-Unis pour faire des études en médecine. Oui. Voilà. Donc, maintenant je vous ai vu là, parce que là, quand on voit quelqu'un là, c'est qu'il y a un problème, c'est un souci, et que tu sais, peut-être que je sais. Voilà. C'est quoi? Parce que ta soeur ne comprend pas. Oui, parce que quand ça se manifeste, non, 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 parce que quand ça se manifeste, on aborde un sujet tranquille, on va droit au but, on va rapidement sur le sujet. Quand je touche quelque chose. Non, ta soeur dit tout à l'heure, quand vous parlez de sorcellerie. Oui. C'est ce que je veux entendre. Oui, c'est ça que je veux entendre. Oui, parce que moi, tu sais, j'aime qu'on va droit au but. D'abord, le sujet. Et puis là, c'est moi qui pose des questions, vous rentrez un peu dans les détails. Vous êtes d'accord sur ce principe? Donc, quand je touche la nourriture, je sens quelque chose sortir de moi pour engloutir la nourriture. Bon, elle ne dit rien. J'ai compris, moi je comprends. Mais tu n'as encore rien dit. Ce que je voulais entendre de toi, tu ne l'as pas encore dit. C'est-à-dire, tu es là à cause de quoi? Parce que j'ai confessé que je faisais des... Non, pas j'ai confessé. Le français, toi, tu es intellectuel. Tu as l'université. Voilà, tu es intellectuel. Pas j'ai confessé. Qu'est-ce que tu as? Vraiment, quand je suis... ça se manifeste. Quand je suis là, le nom de
de Satan. Quand tu vois un plat, tu en goûtes, c'est ça? Oui. Tu as l'impression que tu vois un plat en train de manger. Comment on appelle ça? La sorcellerie. Ah! C'est ce nom-là que tu as appelé de dire. Ou bien, tu sais, si les gens échouent sur ta délivrance, c'est que tu n'as pas été sincère toi-même. Personne ne viendra te délivrer si toi-même tu ne décides pas d'être délivré. Parce qu'il faut que tu sois sincère. C'est pour ça qu'ici, on ne force personne. Ici, ce n'est pas une question de mental. Tu es libre. Parce que la délivrance, ça se désire. Toi-même, tu es conscient que il y a quelque chose qui se passe en toi. Des trucs étranges. La chose, le nom qu'on donne à la chose, tu connais? C'est pour ça qu'on t'a envoyé ici. Parce que ta soeur dit qu'elle ne comprend pas. Non, on comprend. Donc, le problème, tu es sorti ou pas? Ou qu'on peut plus t'aider? Je suis sorcière. Mais tu existes pourquoi? Je te comprends, peut-être que tu as peut-être peur, mais on est là pour une question de délivrance. C'est une opportunité pour saisir. Pour nous, la sorcellerie, ce n'est pas une façon un peu de délivrer de la sorcellerie. Tu es une jeune fille. J'ai encore de l'avenir. Et d'accord, moi, on n'en est pas encore d'aider parce que déjà les études en médecine, ça veut dire que demain, tu peux être utile quelque part. N'est-ce pas? Et donc, tu as un mal, tu souffres d'un mal. Il faut qu'on te délivre de ça. Alors, ne joue pas le sujet. N'hésite même plus parce que il y a des confessions que tu peux faire, les gens peuvent l'entendre sans te délivrer. Nous, ici, si tu confesses, on te délivre. C'est ça, la différence ici. Ici, on ne peut pas te blâmer. La preuve, c'est que tu as assisté des saints ici, même la vieille, tu as chanté tous avec ça, puis on a pu régler ça. Ici, là, en 15 minutes, on ne parle plus, c'est fini. En 15 minutes, tu seras délivré et tu vas reprendre tes études. Amen. Je te confirme ça. Mais tout dépendra de toi. Parce que j'ai vu que tu t'es rétracté un peu. Non, on n'a pas peur de ça. On peut partir. La vieille dit qu'elle ne voulait pas parler, elle n'est pas. Je l'ai dit partir. Ou bien. Ah non, ici, c'est ça. Tu es libre. Tu es libre de choisir. Si tu veux choisir le camp de Satan, allez, va servir Satan. Nous, nous voulons servir Dieu. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Bien que je sais que tu es sorcière, mais je ne t'ai pas imposé ça pour dire je suis sorcière, pas. Non, on ne fait pas ça. On te demande. Qu'est-ce que tu as? Ah oui, qu'est-ce que tu as? Oui. Non, d'abord, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es? Voilà, quand je touche la c'est l'engouttement. J'engoute la nourriture. Donc tu es sorcier. Ah, pourquoi il est venu là-dessus? Pourquoi ça fait là? Tu es pour elle, je suis sorcier là. Tu n'as tu dis pas. Oh, je vais revenir encore, je vais te poser encore question. C'est ça mon côté bizarre. Tu es quoi? Sorcier. Qui t'a donné? Comment c'est venu dans ta vie, la sorcellerie? Bon, ça se manifeste même pas de ma vie. Comment c'est venu dans ta vie? Un jour, j'ai fait un rêve. Et puis, dans le rêve, j'ai vu l'avion de Paul. Donc, quand j'ai vu l'avion de Paul, je venais d'avoir mon bac. Donc, quand j'ai vu l'avion de Paul, là, j'avais une pneumonie à la maison. Quand tu as vu l'avion de Paul? Je n'ai pas mangé l'avion. Ah, en bas, là. Je n'ai pas mangé l'avion de Pâques, j'ai juste vu l'avion de Pâques dans mon rêve. Et puis je me suis réveillée. Donc quand je me suis réveillée, j'ai expliqué que c'est un évangéliste. Et il m'a dit qu'on m'a initié à la sorcellerie. Donc d'aller prier chez une dame, elle va me délivrer. Donc je suis allée dans un camp de prière. Mais dans le camp de prière aussi, là, il y a quelque chose qui m'a piqué. Et j'avais un bouton qui venait sur mes pieds. Et puis je faisais beaucoup les jeûnes. Il y avait comme si quelque chose me disait, vous faites un jeûne, que c'est de Dieu, vous faites un jeûne, vous faites un jeûne. Et donc je faisais ces jeûnes-là. Et quand je jeûne jusqu'en... À un moment, ces plaies-là réapparaissent. Donc quand je mange, ça ne revient plus. Mais quand je jeûne, jusqu'à un moment, ces plaies-là réapparaissent. Et c'est comme ça se manifeste dans ma vie. Et quand je suis partie, quand ça a commencé... D'abord, la première fois, je sais qu'on essayait de m'initier dans mon rêve. J'avais vu une vieille, quand j'étais plutôt en quatrième, tout ça, j'avais vu une vieille dans mon rêve
qui voulait me donner quelque chose à manger. Et puis elle me demandait, elle disait que prends, tiens, mange, que ça là, c'est quelqu'un qui m'a donné, que si tu ne manges pas ça demain, on ne va plus me donner, ou même un truc comme ça. Et bon, je n'ai pas mangé, j'ai tourné ma tête et puis je me suis réveillée dans l'oreille. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'église évangélique et j'ai commencé à prier là-bas. Et puis, bon, après ça, rien ne se manifeste. Comme je fais, je dors. Il y a des fois, on fait des mauvais rêves, mais je dis que je suis dans un rêve où je vois des gens en train de... Et tu t'envoûtes un plat. Parce que quand je touche, il y a une pensée qui vient dans ma tête, j'envoûte le plat. C'est la sorcellerie. Tu sais pourquoi je ne vais pas en parler? Tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sincère. Moi, c'est mon don. Je peux savoir si tu veux quitter ou pas. J'ai l'impression que tu ne veux pas quitter. Mais tu es conscient de l'initiation. Toi-même, tu es conscient. Pour laisser cette histoire déjà vu porc en rêve, tout ça. Tu es conscient quand tu as initié. Le fait déjà de dire que je vais aller quelque part dans un camp de prière, j'ai une plaie, c'est-à-dire un grand signe pour dire à partir de la plaie, ça devient comme une torche, c'est à partir de ça que toi tu opères. Tu comprends? Donc il y a déjà des éléments que tu as qui me confient que tu es une grande sorcière. Mais je n'ose pas dire, hein, je ne veux pas que ça vienne de moi. Je veux que, à partir d'ici, que quelque chose opère dans ta vie, qu'une délivrance. Mais j'ai l'impression que tu ne bouges pas d'un pas, tu ne bouges pas d'un pas dans ma vie de délivrance. Quand tu dis, j'ai les pensées que j'envoûte le plat, mais quand son chef est tué, là, c'est la pensée. Quand il te dit, toi, il faut que la voiture fasse accident. Quand ça fait accident, c'est pas sorcellerie. Tu es déjà sorcier. Tu veux être délivré ou pas? Je veux être délivré. Bien sûr que tu veux quitter le diable. Comment pour être sincère? Non, je pose la question. Tu veux quitter le diable ou pas? Je veux quitter le diable. C'est pas moi qui t'ai enlevé chez toi pour t'envoyer ici. D'accord? Ou bien, est-ce qu'on t'envoie ici si j'avais déjà un problème, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Et tu as besoin d'aide. Va t'asseoir, je vais t'aider. C'est ma première fille. On a eu un frère, quand je l'ai mis au monde, son papa l'a refusé. Il a fait que c'est là-bas, elle fréquentait. Bon, elle est venue en vacances à Abidjan. C'est à Abidjan, mon petit frère nous a ramené celle-là au village. Que vraiment elle est tombée en transe, que c'est elle-même qui parle. Nous, on n'était pas là-bas. Donc elle-même va parler. Non, peut-être que vous n'avez pas compris ce que je dis. Donc vous n'étiez pas là. Non. Maintenant vous l'avez envoyée pourquoi ici? On est venu pour qu'elle soit délivrée. Et elle-même va parler. Non, je sais. Oh. Oui. Elle va parler là, c'est ce qui est vrai. Je t'inquiète, vous parlez là, elle va parler. Mais vous l'avez envoyé parce que vous êtes convaincu que les sorcières. Oui. Très bien. Voilà, parce que c'est avec l'accord de la famille qu'on décide la délivrer. Sinon, la vie même est là. Non, on n'est pas encore arrivé là. Tu es chaud, chaud, hein. Tu es quel ethnie? On a Agni. Ah. Ça va? Oui, ça va. Tu es trop chaud, chaud. Agni, d'où? Bombano. Ah, Bombano. Donnez le micro, là. Vas-y. On dit ici, les gens viennent avec leurs enfants, leurs parents pour se faire délivrer. C'est pour voir si c'est avec l'accord des parents, parce qu'ici, si les parents sont d'accord, pour qu'on arrache des aveugles. Parce que pour nous ici, d'abord pour délivrer un sorcier, il faut que le sorcier parle. Dès qu'il commence à parler, ça affermit l'esprit et on se met en procès déjà à la délivrance de cette personne. Mais si la personne ne parle pas, ça freine le processus de délivrance. Pourquoi? Parce que dans Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 16, vous comprenez quelque part que la Bible dit confessez-vous les péchés les uns les autres, priez. D'abord, la première étape, c'est de parler, et la seconde étape vient l'étape de la prière. Donc, si elle ne parle pas, parce que tout compte fait, c'est elle qui est la personne, du moins, qui est allée dans la sorcellerie. Donc, c'est elle, comme il y avait des pactes, c'est qu'on rentre dans la sorcellerie, on a un pacte qu'on signe avec l'esprit de la sorcellerie. Donc, c'est la personne qui prend si elle a la résolution de quitter. Donc, il faut qu'elle avoue ce qu'elle a fait. Dès qu'elle a commencé à avouer, on peut maintenant directement la délivrer. Ça va? Le micro, comment tu t'appelles? Pas le corps. T'attends t'as parlé. Je m'appelle Maud. Ta maman. Qu'est-ce que tu as? Je veux
Hein? Voilà, faut parler. Le micro. Laisse-le. Qu'est-ce que tu as fait la sorcellerie? Pour la sorcellerie, j'ai préparé des peines. Hein? J'ai préparé. Tu as préparé? Tu prépares. Quelque quoi? Je prépare des peines. Et tu manges? Hein? Qui te donne? Comment tu te retrouves dans la sorcellerie? Mais comment tu es devenue cuisinière? Vous la viande de l'homme. Tes amis préparent poulet. Et toi, vous achetez de l'homme. Et toi, tu prépares. Je t'écoute. Avant de me préparer, il y a une vieille femme qui m'a dit, il m'a dit, il veut que il veut me donner la sorcellerie pour que je prenne pour Dieu. Hein? Il veut me donner la sorcellerie pour que je prenne pour Dieu les choses. C'est ça, je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas tuer l'homme. C'est ça, elle m'a dit, elle va me montrer comment on tue. C'est ça, elle dit non, que je ne veux pas. C'est ça, elle m'a dit. Si je ne veux pas, elle va me dire une chose encore, que si je refuse, là, elle va me tuer. C'est ça, elle m'a dit que si je ne veux pas, je vais préparer. Et ils vont aller tuer pour envoyer, puis je vais préparer. Le malade, tu as envoyé bien des gens, toi, tu n'en vas pas plus loin. N'importe quoi. Viens ici. Elle est avouée. Elle vous a dit quoi? Elle a dit qu'elle est sorcière. Hein? Elle a été usée par sa grande soeur. Venez. Et vous voulez que... Sans rêve. En rêve, était dans la sorcellerie. Comment tu te retrouvais dedans? Qu'est-ce qu'elle vous a dit avant de venir ici? Elle m'a dit que c'est sa cousine bienvenue qui l'a initiée. Mais pourquoi tu dis pas? C'est ça le problème. Pourquoi tu dis pas ça? On parle d'initiation, toi tu parles de rêve. On n'est plus au niveau de rêve, on parle d'initiation. Tu as déjà dit que tu on t'a initié. Maintenant je te pose des questions. Pourquoi tu parles pas? Tu viens délivrer ou pas? Ok. Elle t'a dit quoi? Bienvenue, elle a fait quoi? L'a initié. En me donnant la sorcellerie, je lui ai demandé comment ça s'est passé. Avec quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Elle dit avec la nourriture. Je lui dis quelle nourriture, qu'est-ce qu'elle a préparé? Elle dit elle a fait du foudou avec de la sauce, du doublé. Ouais, doublé. Viens. Dans le micro. Vous les sorciers là, quand vous venez ici, je peux vous dire, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait, tu as tué tel nombre de personnes, tu as tué ta maman, tu as tué tant, je peux le dire, sans problème. Mais ça, c'est pas une confession. C'est ce qu'on appelle une révélation. Or, ce qui peut vous faire sortir de la sorcellerie, c'est les aveux, pas qui vous parlez, vous-même ce que vous avez fait. Pour qu'on puisse vous aider. C'est pour ça qu'ici, chacun est libre de parler. Amen. Amen. Allez-y, vas-y rapidement. Je suis sorcier. Je suis venu faire ma délivrance. Nous, on est d'accord pour te délivrer. Non, mais il faut parler pour qu'on te délivre. C'est ma grosse qui m'a donné la sorcière. Comment elle t'a donné? Elle a pu parler. Elle avait doublé avec son. Hein? Avec son. Doublé. Jimblé. Son Jimblé. Son Jimblé. Son Jimblé, ça s'accompagne. Hein? Ou c'est Placali ou c'est Toyo. Comment? Et là, Placali, nous, avant, on avait ça. Cocondé. Les Ivoiriens, ils ont les nourritures. Et comment elle t'a donné ça? Comment elle t'a donné la sorcellerie?
Non, diable, c'est pas. Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé ici? Hein? Maintenant, tu ne veux plus parler, pourquoi? Comment elle t'a donné la sorcellerie? Donc je parle et puis tu parles un peu. Je parle. Tu penses que je t'entends? Elle a préparé pour me. Elle a préparé à manger pour me donner. Elle a préparé à manger pour me donner. J'ai mangé, puis je suis pas trop couché. Après, dans mon rêve, elle m'a pris. On est parti de la camp. Quand elle est partie de la camp, elle m'a donné. Ils m'ont donné du sang, j'ai bu. Ils m'ont donné du sang, j'ai bu. Après, on est parti de leur groupe, de leur champ. Donc, ils voulaient m'enterrer là-bas. Que je dis que de tuer ma mère, et Dieu ne peut pas la tuer. Que c'est ma soeur, mais qu'elle me reste dans ma vie. Que c'est elle, c'est son petit me reste. Je ne peux pas la tuer. Vous me dites que de la tuer, de la tuer. Que Dieu ne peut pas. Que c'est ma soeur, mais qui me reste. Amélie. Non, c'est pas question. Moi, je t'écoute. Ce que tu as fait, j'écoute ça. Je t'écoute. Le lendemain, elle a préparé un peu pour me donner. Donc, elle était nourrissante. Prévu, c'était son gimlet. Deuxième soir, c'est quoi? Ah, elle est Sahashi. Tigana. Elle t'a brûlé dedans. Elle est Kabato. Mais tu l'as, ils me comprennent. On écoute, il ne faut pas perdre mon temps. On a bien de t'aider, mais ne perds pas mon temps. C'est sorcellerie, tu as envie de parler, parle, on va t'aider. Elle a fini de parler, elle a mangé. Maintenant j'ai dormi, que j'ai dormi. Derrière quand je suis parti, on est assis. Elle m'a donné 100 quand j'ai bu. Elle m'a donné 100 quand j'ai bu. Maintenant, ma soeur est venue me dire d'aller tuer ma mère. J'ai tué toute ma famille. J'ai tué toute ma famille. J'ai tué aussi ma famille aussi. Tu as tué qui et qui? Ma grand-mère. Mon grand-père. Mon oncle. Et mon tonton. Comment tu fais pour tuer? Elle était malade. Elle était malade, elle est partie à l'hôpital. Et si on tient son corps. Et si on tient son corps, j'ai commencé à bouger, bouger dans son corps. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'incarnation. Je veux qu'elle m'explique un peu. Elle part à l'hôpital. Comment tu as su qu'elle était à l'hôpital et comment tu es rentré dans son corps? Pour m'expliquer. Ils m'ont dit qu'elle était à l'hôpital. Ils m'ont dit qu'elle était à l'hôpital. Et bien, ils t'ont dit, mais comment tu t'es retrouvé à l'hôpital? Il me suis transformé et je suis parti. En quoi? Comment tu t'es retrouvé? Je veux que tu expliques un peu. Moi, c'est des petits détails comme ça, je veux comprendre. Du coup, on t'informe qu'il faut tuer. Et toi, tu as décidé de tuer cette femme qui est malade, n'est-ce pas? Et on te dit qu'elle est à l'hôpital. Et tu dis, bon, c'est pour moi une occasion de la tuer. Et puis mettre ça sur le compte de la maladie, c'est pas ça? Donc, quand tu as appris qu'elle est à l'hôpital, comment tu es rentré dans son corps? Il faut m'expliquer ça. Monsieur Je me suis transformé en chauve-souris. En chauve-souris. Et tu es arrivé à l'hôpital. D'accord. Et quand tu es arrivé à l'hôpital, qu'est-ce que tu as fait? Je suis rentré dans son corps. Hein? Je suis rentré dans son corps. D'accord, tu es rentré dans son corps. Et quand tu es rentré dans son corps, tu as fait quoi? J'ai commencé à bouger, bouger. Dit, bouger, bouger. C'est-à-dire, tu bouges. Je peux expliquer bouger, bouger, là, c'est quoi? Il a pris mes pieds, il prenait mes pieds pour chuter dans son ventre. Dans son ventre, tu chutes dans le ventre, tu chutes. Tu cherchais quoi? Rien. Ils ont chuté devant quelqu'un. Faut expliquer,
Et ça, c'est des petits détails comme ça dont on a besoin pour te faire délivrer. Si tu es rentré dans son corps, ce n'est pas rien qui t'allait. Tu es rentré dans son corps pour quelque chose. Tu es rentré dans son corps parce que tu voulais faire quelque chose. Donc, en chitant son ventre, c'était quoi? C'était platine. Ah, c'est ce qu'on a envie d'attendre. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? Il l'a tué. Et après, je suis... Donc, chiter, là, c'est devenu quoi? C'est la mort. Elle est morte. Oui. Et quand elle est morte, qu'est-ce qui s'est passé? Après, les médecins sont venus. Vous allez s'en faire des médecins. Vous allez manger bien? Oui. Non, c'est ça, il va attendre. Parce qu'il y a eu bien, vous allez manger. Donc, tu as vu les médecins venir? Non. Donc, quand elle est morte, c'est ça. Après, vous avez mangé la viande. Oui. Tu as tué qui encore? Il y a eu quoi? J'ai tué mon nom. Faut expliquer comment tu tues les gens. Il n'est pas dans le pays. Il était malade. Il ne marchait pas. Donc, il partait en voyage. Il n'y a plus d'espace du chien, fait du chien. Et c'est la fin accident les morts. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez compris ce que... Vous avez compris la même chose que moi? Non, je n'ai pas compris. Toi, tu es sorcière, c'est ça? Non. Donc, tu as provoqué l'accident. Je ne comprends pas ce que tu as dit. Non. Il y a les choses que la bande me dit. Attends, tu veux être délivré ou pas? Qu'est-ce que tu as fait à ton oncle? Il a tué. En quoi? En quoi faisant? Il était malade. Il était fatal. Qui lui a donné la maladie? C'est moi. Ah, mais pourquoi tu ne touches pas ça? Vous voyez que la fille nous fait un peu de temps. Moi, hey, va t'asseoir. Oui, pour Isabelle. Elle a mis un peu de temps parce qu'elle parle pas. Elle est la sorcière. Elle dit c'est dans la sorcellerie ciel. Pourquoi elle est venue ici? Bon, on l'écoute. Elle dit en sorcière, elle tue les gens à sa sorcellerie. Elle a tué près de 60 personnes. Pose pas question à la pourquoi mélanger? C'est qu'elle a fait la carte. Si elle dit parmi ses enfants, elle a gâté le travail de son fils. Elle a tué qui? Oui, elle a gâté le travail de son fils. Comment il s'appelle? Il s'appelle Antoine. Comment elle a gâté le travail de son fils? Elle dit, quand son fils, quand il travaillait, elle a demandé quelque chose à son fils. Donc quand il a payé, il a donné ça, et puis sa femme a pris ça. Donc elle s'est fâchée, son cœur de sorcellerie là. Elle a pris ça et puis elle allait casser ton travail. Comment? Qu'elle a gâté comment? Quand on a l'oiseau. Elle a dit quoi pour maintenant? Elle a maintenant vous avez un mais ma douane. Elle dit qu'elle était avec sa camarade au village qui vient sorcier ensemble. Sa collègue sorcière. Sa collègue sorcière. Donc ça, elle a changé commission. Elle partait à Abidjan. Elle a dit si tu vas, pour chercher à croiser mon fils. Elle dit ce que son fils a fait, ça l'a énervé. Elle a dit à sa camarade, si tu vas, c'est-à-dire qu'à travers elle, dès que sa camarade arrive, et puis elle voit croire son fils, elle est déjà au courant, elle est au village. La suite.
Elle a fait comment et le travail est dégâté. Nous devons soigner et nous devons. Elle dit c'est fâché. Quand sa camarade n'est pas dit, elle a assez maintenant à son fils et puis elle a médité une parole sur lui pour garder son travail. Elle a prononcé une parole. Pour dire ton père va travailler. Voilà. Ils l'ont chassé du travail. Ils l'ont chassé. On a noyé le beau. Elle dit oui. Et elle a fait quoi d'autre? On a des repos, mais elle dit qu'elle est née ou elle n'a pas. Est-ce que tu es prête à être délivré? On a né un yé, il y a un bi, tiens. Tu as un groupe, non? On a un banan avec du bas des cousins. Elle dit oui. Allez. Au bonheur, Dieu. Il y a une qui s'appelle Marcel, qui a un Marcel. Jeannette. Où est le nom des jeunes filles? Bah, Antoinette. Marie. Et puis elle s'appelle 5. Donc tu as ton groupe aussi, ton mari a son groupe. On a mon blé, ma griba. Elle dit oui. De temps en temps, elle est son mari pour manger. Pendant que vous n'avez pas de nom, elle m'a dit que vous avez des cousins. Elle dit oui. Parce que tu es dans le groupe de ton mari aussi. Pendant que vous avez des cousins, elle dit que vous avez des noms. Elle dit oui. Ah donc tu as pour toi, à côté de toi, quand tu viens manger ton mari, tu vas pour manger pour toi dans ton groupe, tu manges là-bas aussi. Pendant que vous avez des cousins, vous avez des cousins, vous avez des cousins. Oui. On a dit au moins deux fois. On a dit personne. Dans la même nuit. Elle dit oui. On a dit moi, on a dit maintenant personne. Tu as quel grade? On a un grade appelé de bouson. Et de la masse. Il y a masse quand elle me suce tête là. C'est ça qui suce ça. Ça suce le sang. C'est le sang qui s'en nourrit. Elle est reine alors. On a amené un reine de mort. Elle dit oui. Tu fais comment? Tu dis tu suces sang. On a mangé, ouais, n'a nion. Comment tu suces le sang? Oui. On a comme un noël, il y a une nation. Elle dit boisson. Comment tu fais? On a comme un noël, une nation. Elle est censée, c'est quelque chose qu'on doit boire. Non, elle est comme un noël qui sont vraiment, il y a des mois, ma nain, comme on dit. Comment tu bois le sang? Comment nous nous en soin? C'est un des plus ma voilà, elle suit ça, elle met ça, elle suit ça. Mais comment elle s'allonge? On a comme elle a quelque chose de comme fait, il y a tout dedans, elle met ça dans sans la paix, elle suit ça. Elle se trouve, si la personne, elle va vers la personne, ou si c'est le sang de la personne, elle fait comment? On a un bon moment, elle a un bon moment, elle il y a la sirène en sorcellerie pour tirer son sang. Fais pitié alors. Tu tires, comme ton fils l'a vu l'infirmier là. Tu tires le sang. On a maquillé, on a maquillé. Tu vides le sang des gens. Ma dernière du moment. Oui. Et de oui. À quel moment tu fais ça? On a allé, non, on va dire ma nom. Non. Elle dit ça la nuit. Ouais, tu veux comment parler? On a comme un nouveau mouton. Moi, je
Et Dieu se transforme en serpent. Et Dieu est vrai. Je suis en train de procéder à sa délivrance. Parce que si elle parle, c'est ce qu'on appelle confession. On appelle aveu. Elle a parlé, je suis sorcière. Okay? Mais il faut qu'elle soit délivrée. Pour qu'elle soit délivrée, il faut que je chasse l'esprit qui est en elle. La meilleure manière de chasser cet esprit, d'autres ils prenaient de l'air, donnaient aux sorciers, ils vont boire. Ils vont grossir. Si les sorciers boivent l'air, grossir, c'est de la protéine. Grossir. La seule chose qui chasse un esprit, c'est quand le chasse au nom de Jésus. Vous avez saisi? Ce corps est une enveloppe. Et dans ce corps, vient se loger un esprit méchant. Donc l'esprit méchant est lié, c'est-à-dire qu'il possède son esprit humain. À point qu'elle-même, elle ne peut pas se maîtriser. Elle est sous le contrôle d'un esprit. Elle ne peut pas. Il n'y a plus de maîtrise. Quand l'esprit dit tue ton fils, elle le tue. Quand l'esprit dit fais ça, elle fait. Ça serait qu'elle est malade parce que c'est une possession. Voilà. Donc si elle a fini de parler, il faut le débarrasser de cet esprit-là. C'est un peu la spécialité d'ici. Donc elle a fini de parler, de sentir en elle la sincérité. J'ai senti maintenant qu'on peut chasser l'esprit. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Une fois que l'esprit est chassé, elle ne constitue plus un danger. Elle peut dormir dans le même lit que toi, elle ne peut pas te manger. Amen. Après, on va faire l'essai. Vous allez aller dormir ensemble. Jamais. Après, vous êtes une mémé. Vous allez dormir avec elle. Jamais. La mémé, c'est la plaie, elle ne peut pas manger. Elle est comme ça, mais la nuit, elle s'envole. Comprenez? Cet esprit-là lui donne cette force, ce pouvoir-là. C'est un esprit. Hein? De faire ce voyage, comme les gens le disent, le voyage astral, c'est un esprit qui l'anime pour aller détruire. Or, il faut la débarrasser de ce démon-là. Et une fois la débarrasser de ce démon, ben c'est fini. Quel voit un être humain ne le voit plus comme viande. Sinon, si elle a ce démon-là, quand il passe, elle dit, mais oui, voyez, le biche qui est passé. Voici un boutique, voici un hérisson. Voyez, pour te pique, elle veut te manger. Lâche-la. Lâche-la. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ te libère ce matin, ce soir. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la. Toi, puissance de la sorcellerie. Toi, esprit de la sorcellerie. Toi, esprit de la sorcellerie. Va libérer son corps et tu vas libérer toute sa voix. Lâche-la. La petite fille qui est juste au bout là-bas derrière, lève-toi. Ouais, je vois la tête. Viens ici, viens ici, ma fille. Viens ici. Viens t'asseoir là. Je vois que la tête de la petite se transforme depuis. La petite fille est en train de m'épiper un peu. Attention. On va t'aider, hein? D'accord? Je vais t'aider. Je vais me saluer. Je suis le maréchal anti-brigade anti-sorcier. Attention, on va te délivrer. Sorcellerie, c'est pas une bonne chose. Ah! Tu vas la libérer. D'accord? La puissance. C'est un travail très dangereux. Pendant que tu veux délivrer les gens, et tu vois un bien, tu veux te manger, jette filet.
Ça te prend pas. Le monsieur là, filet ne prend pas. Sors! Tu es vieille et puis la nuit tu sors. Tu sors pourquoi tu te balades dans les airs. Maintenant si tu tombes dans la mer, que le requin te mange, c'est la faute à qui? Hein? On t'a donné une maison. Toi tu te balades la nuit. Souffle un rouleau. Souffle un rouleau. Feu! La puissance de Dieu. Tu libères son âme. Tu libères son esprit. Saint don que j'ai moi. Tu n'as qu'un sorcier le plus terrible. 15 minutes suffit pour qu'on t'enlève ce gnéni gnéni. 15 minutes. Voilà. C'est pas beaucoup. Diable, il est qui, il va parler. Là, il ne sort pas. Tu ne sors pas pourquoi? Pourquoi me filmer, s'il te plaît? Diable va parler pourquoi? Là, il ne sort pas. Mais tu ne sors pas pourquoi? C'est ta maison ou bien? Tu dois sortir. Nos corps doit être le temple de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui doit, n'est-ce pas, habiter en nous. Non pas l'esprit du diable. Quand l'esprit du diable habite en nous, l'esprit nous pousse à faire des vilaines choses. Or, vous savez bien, personne n'est l'abri d'initiation. On n'est pas initié parce que Dieu nous protège. Sinon, les gens peuvent être initiés, peu importe on a. Tu peux avoir dans la cinquantaine, dans la soixantaine, tu peux avoir 70 ans, et puis quelqu'un peut venir te donner la sorcellerie. Et une nuit, on peut venir te donner la sorcellerie. Ce serait qu'en avant de dormir, prier pour que qu'on ne vous initie pas. Parce que la camarade qui t'y mange, tu ne sais pas qui elle est. Elle peut venir te manger les brochets, les petits viandes, si faire les brochets, elle vient chouguya. Tu as mangé, tu es sorcier. La nuit, elle dit le crédit. Là. Viens, tu as mangé, fils de ma maman, pour donner. Tout le monde a habitué de plaisanter. Il dit, mais vous voyez, les gens, ils vendent la viande. Choubouya dans cuvette. Est-ce que vous savez quelle est la viande? Vous allez manger, vous encaissez la nuit. Le monsieur ne sait pas où il quitte. Il vend viande. Et puis il y a ça. Couteau comme ça. Poudre. Tu sais qu'est-ce qu'elle est la viande? Il est sale. La viande, c'est que tu ne connais pas. Tu as envie de manger viande. Maintenant, si tu manges, ils vont venir dire, mais tu as mangé. Mon oncle, il faut donner pour toi. C'est ça qu'en toute chose, avant de manger, il faut prier. Tout est sanctifié par la prière. La prière, elle est très bonne. Il faut prier en toute chose. Avant de dormir, confie ton sommeil à Dieu. Et tout ça, c'est important. Mon sorcier ne peut pas rentrer chez moi. Dès que tu touches la porte, tu es prié devant la porte. Ah, tu peux pas. Chez moi, c'est la propriété de Dieu. Dieu est chez moi. Amen. Quand Dieu est chez toi, il stop. C'est stop. Tu ne peux pas rentrer. Inviter Dieu chez vous, c'est important. David dit, Seigneur, ce que je demande, ne te retire pas de moi et ne m'arrache pas ton esprit. Ça. Quand Dieu se retire de quelqu'un, il le livre à ses ennemis. Quand Dieu s'est retiré de Saül, Dieu a livré ses ennemis. C'est à livrer Saül à ses ennemis. Pendant que David a péché contre Dieu, en sortant avec la femme du lit, il dit, ne m'arrache pas ton esprit saint, ne te retire pas de moi. Vous comprenez? Il faut que Dieu nous aide. Amen. Nos territoires doivent être le territoire de Dieu. Ta chambre doit être la chambre de Dieu. Amen. C'est pour ça que le fétichisme ne peut vous protéger. Aucun fétichisme sur cette terre ne peut vous protéger contre les œuvres du diable. Petit chien, marabout et sorcier, ils ont même père, ils ont même mère. Ils mangent ensemble. La puissance de Dieu. Jésus-Christ te libère. Il est maintenant.
La vie à moyen, quand elle est rassasiée, elle est lourde. Le plé, et puis à part. Ça va? Les yeux, je casse. Voilà. Tu ne vas plus voir clair. Je casse. Tes yeux, tu ne vas plus entendre siffler, poiler, sort, puis tu veux vivre. Mais je suis venu, avance. Tu ne vas plus aller dans le rendez-vous là-bas. Voilà, tu ne vas plus entendre l'heure, je casse tes yeux. Maintenant, tu es libéré. Messieurs, chacun sa femme. Venez. On y a mis vous ça, a chéri sa femme. On y a mis vous canasse. Na, mi, baba. Dieu vous dit Gela. Qu'est-ce que tu dis à Tobo Gela? Tobo Gela. Moi je suis interplanétaire, je parle, je chante, je parle guerrier, je parle tous. On est 23 octobre. Aujourd'hui, qu'elle a voué vraiment. Et que toi aussi tu as avoué. Moi j'ai voué pour moi-même. Je n'ai pas nié. C'est un homme qui a fait qu'on a délivré. Tu es délivré. On a délivré, je suis très content. Sorcier là, quand tu as sorcier à la maison, c'est comme un voleur. Hein? C'est comme un voleur. C'est comme quoi? C'est comme un voleur. C'est comme un voleur. Voleur fait quoi? Sorcier fait quoi? Il voleur fait quoi? Quand voleur n'est pas dans la maison, il vole. Si c'est ma masque, on dit c'est lui qui a volé. Hein? C'est comme sorcier aussi. Quand sorcier est dans la maison, si quelqu'un est malade, qui c'est toi? Non, il mange. Oui, il mange. Parce que comme c'est toi, il mange. Monsieur, il mange. Si quelqu'un tombe malade, lui, il mange. Là, quand ceci est quitté dans la maison, il n'y a plus. Il faut bien expliquer. C'est très bon. Aujourd'hui. Nous t'aimons. Ah oui. Si on sort les mains de Jésus-Christ.
Embrassons ton Mérou, Rocher. Il y a plein de choses. Dans Jésus en moi, il se veille maillé. Dans Jésus en moi, il se veille maillé. Dans Jésus en moi, il se veille maillé. Dans Jésus en moi. Jusqu'à ce qu'il revienne. Ce qu'il m'a fait là, je ne vais jamais oublier jusqu'à ce qu'il revienne. Il se noble.
Que Dieu bénisse. Dans la chanson, désormais mon parent c'est Dieu. C'est lui qui est mon père, c'est lui qui est mon parent. Désormais c'est Dieu qui est mon parent. Amen. Nous allons rapidement toucher l'exhortation du jour. Nous allons continuer rapidement dans ce qu'on appelle les barrières invisibles. Je parlais tout à l'heure des barrières invisibles. Comment se débarrasser des barrières invisibles? Amen. On a l'impression, lisons la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est là qui acclame le Seigneur? Quelqu'un est là qui acclame le Seigneur? Si quelqu'un est là qui acclame le Seigneur? Si quelqu'un est là qui acclame le Seigneur?